الماضي ندوة صحفية تحسبا لمواجهتي الصومال وموزمبيق في تصفية كأس العالم. إذا ندوة صحفية سيتحدث فيها جمال بالماضي عن التربص القادم والمواجهتين القادمتين في تصفيات مونديال 2026، أين ستكون الجولة الأولى أمام منتخب الصومال يوم 16 من نوفمبر الجاري، وبعدها سيواجه منتخب موزمبيق في العاصمة موبوتو بالموزمبيق يوم 19 من ذات الشهر. جمال، بالماضي كان قد أعلن منذ أيام عن القائمة المعنية بهذا التربص وبالمباراتين القادمتين، وكان هنالك سقوط لبعض الأسماء من قائمة النخب الوطني واستدعاء للاعبين آخرين. نستمع إلى جمال بالماضي ولنعود. المنتخب الوطني رفقت كل من غينيا، أوغندا، الموزمبيق، بوتسوانا والصومال في المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. ما هي حدود الخضور في تخطي عقبة هذه المنتخبات الإفريقية وبلوغ المونديال؟ وسؤالي الثاني حول جاهزية اللاعب يوسف عطال للمواجهتين المقبلتين أمام الصومال هنا بملعب نيلسون مانديلا وأمام منتخب الموزمبيق بملعب دوزيمبيتو بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو. شكرا وبالتوفيق. حدودي أخي، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء on passe nos condoléances au notre ancien président de fédération monsieur Mohamed Laib. باغي نبداو هذاك المجموعه تاع تصفيات كاس العالم. وكما تعرفوا مهمه جدا تبدا بالنتائج اكيد ايجابي. لازم نفوز سورتو في الدار في بلادك ضد فريق نعرفوه باللي ماشي فريق اللي بكل احترام للصوماليا، ماشي فريق اللي عنده في تاريخ كرة القدم في افريقيا نتائج ايجابية. دونك ما يا با دو لازمنا ندو لي 3 بوان باش تبدا في هذا المجموعه من احسن نتائج. ومن بعد عندنا هذا المباراه كي فا اريفي تري فيت 3 جور من بعد ضد موزامبيك اللي ما يكونش سهل. نعرفوا تو لي ديبلاسمون في افريك ماشي سهلين بور توت لي ريزون. اون لا اون فا فوار توت On va voir toutes les conditions, les marofines, les soubettes, puisque le match est à 14h, je crois. Le climat, l'heure du match, terrain, la benna. Donc, toutes les conditions que l'on connaît maintenant, et on a le khibra fihom, ou d'être fariq, les taraf de la koura del qadem. On a des résultats, on a des matchs, on a des. Ils ont des références, notamment sur le dernier groupe de qualification Coupe d'Afrique, Sénégal par exemple, c'est un match référence. Rebhou fait Mozambique, Sénégal, Rebhou Wahed Sefer. Ça veut dire les mesh Ferexel. Bon, on va y aller étape par étape. On va d'abord se concentrer sur le Moubarat à Somalie. Les Emna, nous connaissons Rakzin, Mia Felmia. On est tous Ndiro, Netej. Surtout sur ces trois points, avoir ces trois points. Après, ça va être des tasfiettes, j'avais dit un mini championnat de 10 rencontres qui va s'étaler sur deux ans et demi à peu près. Et donc, il va falloir être. Et entre temps, il va y avoir CAS Africa, il va y avoir d'autres, je pense même encore la Coupe d'Afrique. 2025. Donc ça va être entrecoupé, ça va être sur une longue période. Il va falloir être constant, il va falloir être ne pas rater nos matchs, ne pas manquer de points et ne pas faire d'erreurs. Inch'Allah,
Voilà, l'objectif c'est ça, évidemment, de se qualifier à cette prochaine Coupe du Monde, Inch'Allah. Plus, maintenant c'est sur Youssef Attal. Bah, Youssef, tout le monde sait, à la belle comme un comédien de Mouloumat, sa suspension, l'ISF, parce qu'il était dans une très bonne dynamique. On connaît le problème de Youssef, notamment de ces dernières années, les Isabat, les canaux Ando. Et on avait l'impression que Hadel Mishkila l'avait plus ou moins réglé. Et il était sur une dynamique de match en club et en équipe nationale aussi. C'est un coup dur, on va dire. Important d'avoir du temps de jeu et de jouer des matchs de haut niveau tels que la Ligue 1. C'est un problème, on va devoir le régler, on va devoir aménager les choses. On est avec lui sur cette affaire-là. Hein? Et de l'autre côté, il faut faire en sorte de ne pas pénaliser l'équipe. Et il y a des choses qui sont mises en place, il y a un programme qui est mis en place. C'est pas l'idéal, ça sera jamais l'idéal. L'idéal, c'est qu'il joue dans son club des matchs de première division. Ça va pas être le cas, mais on a la possibilité de limiter la casse. Inch'Allah, il connaît Ful Mustawa et on aura, Inch'Allah, qu'on verra Youssef compétitif. Salam alaikum. Salam. Oui, c'est Anna, c'était même une surprise pour moi parce que la date s'étale jusqu'au 21. Huma Baril Abou 16 Tani qui maintenant stage. Donc, quant à la possibilité pour étirer la date et aller jouer jusqu'au dernier jour pour avoir une complète récupération, parce que aussi ils ont un match, hein, c'est pas comme s'ils n'avaient pas de match. J'étais surpris, mais on peut rien faire, absolument rien faire, puisque c'est eux qui décident de la date à laquelle ils veulent jouer. Écoutez, ça va être c'est le strict minimum syndical que d'avoir même pas 3 jours de récupération entre 2 matchs, avec un voyage, comme vous l'avez dit, de plus de 10 heures, près de 12 heures de vol, entre 10 et 12 heures. Donc je pense que la gestion du premier match va être importante contre la Somalie, sans donner plus de précision ou de détails. Ça va être comment on va gérer ce premier match qui va nous permettre d'être dans les meilleures conditions pour jouer ce deuxième match. Voilà. Bonjour coach. Pardon. Bonjour. Felchelouch, Radio Algérien. On parle un peu de la liste. Il y a le retour des uns et que l'absence des autres. Donc, ils sont un peu victimes de la concurrence. On parle du retour de Edemounès avec le temps, on va dire, amoindri de Bouanani. Donc, il n'est pas présent. Un mot sur le retour aussi de Bardet Bounjah qui figure sur cette liste. Si vous pouvez fermer la porte derrière, parce qu'il y a du bruit là-haut. Effectivement, j'avais déjà annoncé, on a déjà fait sur ces derniers mois, sur toutes ces dernières dates FIFA, une sorte de, pas une revue d'effectifs, mais la possibilité de certains joueurs, l'avènement de certains joueurs, de nouveaux joueurs de prétendre à cette sélection. On était sur des listes de 24, 25, des fois même un peu plus, hein, pour donner la possibilité à tout le monde de s'exprimer, tout le monde, ceux que j'estime être des joueurs sélectionnables au niveau international,
Il y a eu des bonnes choses, des moins bonnes choses. C'est la vie de toutes les équipes nationales. Et j'avais dit qu'au fur et à mesure du temps, les choses entreraient. Les taux se resserraient, notamment dans la composition du groupe. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on revient au nombre qui va nous être alloué à la CAN, à savoir 23 joueurs. C'est ça qu'on va avoir à la CAN. Donc, effectivement, de facto, logiquement, il y a des joueurs qui quelque part, entre guillemets, hein, qui s'éliminent et qui disparaissent de cette liste. D'autres reviennent. C'est, comme vous le dites, la concurrence, tout simplement. Bardad, vous avez parlé de Bardad. Vous avez parlé de Bardad. Bardad, il a un poste sur lequel j'estime qu'il y a encore des choses à faire. Cette date FIFA, et généralement c'est comme ça, plus on s'approche d'une compétition, plus on s'oriente vers l'équipe, le groupe qui va jouer cette compétition. Mais il restera encore, il y a cette date-là, il restera encore un petit peu de temps avant cette liste définitive pour la CAN. Mais là, on est dans une période de qualification Coupe du Monde, donc j'ai pas envie de mêler les choses. Mais il y a quand même un lien. Donc le poste est important, ce poste d'attaquant. Bardad est plus ou moins il a réglé plus ou moins son problème physique, il a rejoué des matchs, il a marqué des buts, ce qu'on demande. Donc son retour est d'une certaine forme, d'une certaine manière, pour moi, logique. À lui de confirmer sur ces deux matchs-là s'il y a possibilité de jouer, il l'aura. Et à lui de faire le nécessaire pour, comme d'habitude, de marquer de son empreinte sa sélection. Allez. مساء الخير كوتش. دائما في هاني شريط من دائما في نفس السياق مباراتين مقبلتين، هل تشوفهم هما مباراتين معياريتين إن صح التعبير، خصوصا أنه ما زال تقريبا شهرين على كأس إفريقيا، أو أنه في تصريحات سابقة قلت أنه كل مباريات صعبة أو التركيز سيكون حول يعني خصوصا بداية مهمة بالنسبة لتصفية كأس العالم. أكيد صعبة، surtout هذيك المباراة تاع الموزمبيك تكون صعيبة. هذي faut pas tromper le entre guillemets le public ou la légende. Le match contre le Mozambique. Je vous ai donné juste leur dernier résultat contre le Sénégal, ce qui est une référence aujourd'hui. Donc ils ont gagné 1-0 là-bas, tiré par les cheveux. C'est un match, ça va être un match qui est très très difficile, de par l'adversaire, de par le déplacement, de par tout ce qu'on a dit tout à l'heure, le terrain, l'heure, tout ça va faire que ça va être un vrai match d'Afrique à l'extérieur sur une compétition importante qui est la Coupe du Monde. Donc sûr de Konsaïba. Ça, j'ai pas bien compris la question. À part ça. Référence de quoi? Chaque regroupement a sa vérité, chaque match a sa vérité. Gotelkom, bien sûr qu'on s'approche de la Coupe d'Afrique et donc on va vers l'effectif que j'estime et on joue des qualifications Coupe du Monde, donc on va vers l'effectif que j'estime être le meilleur effectif truc. Donc on va présenter aussi des équipes. Sûrement, où il va y avoir du changement entre les deux équipes, parce que aussi il y a ce délai très court de récupération, il y a ce déplacement. Donc, je vous ai dit, j'ai une idée évidemment de l'équipe qu'on va présenter, notamment à la CAN, mais je veux rester sur cette campagne de qualification Coupe du Monde, mais quand même en ayant encore la réflexion sur un ou deux, trois tels joueurs. Mais puisqu'on a ces deux matchs rapprochés, on va voir une équipe qui va évoluer entre le premier match et le deuxième match, ça c'est sûr. راني علواش صحفية كوز. بالنسبة للاعب بن ناصر وبالنظر للتدريبات المكثفة التي يقوم بها، هل سيتمكن من اللحاق بالكان؟ والسؤال الثاني بخصوص هل يمكن أن نرى عودة مبولحي إبراهيمي مبولحي و
بالليلي الى قائمه الكان كوت ديفوار بالنظر للخبره التي يمتلكونها في الملاعب الافريقيه. اسماعيل بن ناصر عنده اصابه رجع التمارين مازال مش مجموعه تمارين خاصه دونك aucune منجموش نديروا الحساب عليه. S'il est disponible d'ici le mois de d'ici la Cannes, et ben ça serait une bonne nouvelle pour le groupe. Il faudra voir dans quelles conditions il sera, mais on part du principe qu'il a eu une blessure assez importante ou la Zemna Khadmo, bien sûr l'élément important de l'équipe nationale d'Algérie, je l'ai toujours dit, c'est l'équipe nationale en elle-même. Donc on se fait pas de d'illusions. Hna Khadmo il a été jahez fi hada lwaqt, on portera la réflexion. Pour les joueurs dont vous avez dit, Mboulhi, il reprend à peine la compétition, il en est à son troisième match, notamment hier contre l'USMA, avant-hier contre l'USMA. Donc avant ça il avait fait un match deux matchs de Ligue des Champions. Donc c'est avec ce break qu'il y a eu là avec dans le championnat, ça arrange pas les choses. Mais bon, je pense que maintenant les matchs vont s'enchaîner. Il va y avoir de la Champions League au mois de décembre, je crois 4 matchs ou 5 matchs de Champions League pour Aïs, hein, pour le CRB. Donc voilà, ça va être les matchs qui vont nous dire comment il évolue et la compétition. Donc on va attendre. Après, pour Youssef Blaili, c'est la même chose. Vous avez cité qui encore? Qui vous avez cité encore? Blaili ou Zidi? Brahimi? Bark? Ok. C'est une autre question. C'était la plus. Bon, je vais élargir la. Moi, ce que je peux vous dire par rapport à tous ces joueurs. Raïs Mboulhi, j'en ai parlé, c'est gardien, c'est un job à part, il joue avec les mains la plupart du temps, alors qu'aujourd'hui les gardiens jouent avec les pieds. J'ai l'habitude de chambrer les gardiens en leur disant vous faites un sport différent. Bon, je vous ai parlé de Raïs. Pour ce qui est des autres joueurs, j'aimerais que la réflexion, parce que j'entends ce qui se dit évidemment, et j'aimerais que la réflexion soit un peu plus, soit honnête quand j'estime qu'elle n'est pas honnête, soit plus précise quand les gens sont sincères. Quand vous présentez un joueur, il faut toujours le mettre, toujours. Surtout que là, on va être dans une liste de 23, il y a 3 gardiens de but et tous les autres postes sont doublés. Donc quand vous parlez d'un joueur, il faut tout de suite le mettre en comparaison avec le joueur qui est déjà sélectionné. Par exemple, si vous citez par exemple Blaili ou si vous citez Brahimi, déjà eux deux sont déjà en concurrence. Ils jouent les deux au même poste, uniquement à ce poste d'ailleurs. Donc, puisque j'ai droit qu'à 2 joueurs par poste, je vous ai dit, je ne peux pas prendre un défenseur central, 4 avant-centres, 12 milieux de terrain. C'est pas comme ça, c'est doubler les postes. Si vous me parlez de Blaili Brahimi, ils sont déjà les deux en concurrence. Après, si vous rajoutez Amoura et Gouiri sur le même côté, dites-moi comment on fait. Je ne peux pas prendre 4 joueurs au même poste. Donc si maintenant certains préfèrent, par exemple ceux qui citent, ouais Yassine Brahimi il est en forme, oui il est en forme, Inch'Allah. Mais quand tu cites Yassine Brahimi, donc il mérite de jouer, il mérite d'être là, je vous ai cité un exemple, il mérite d'être là à la place de Gouiri ou à la place d'Amoura, choisi. Donc maintenant en tant que commentateur de l'équipe nationale, tout commentateur qu'il soit, plateau, journaliste, tout ça, tout. Quand il cite Brahimi, il faut de suite qu'il dise je préfère Brahimi à Gouiri, je préfère Brahimi à Amoura. C'est comme ça qu'il doit parler. S'il ne parle pas comme ça, c'est qu'il est en train de tricher. C'est qu'il veut juste mettre des noms comme ça, où il est belle l'intention qu'il y a derrière. Quand tu cites, et déjà aussi quand tu cites Blaili, tu sais qu'il y a aussi Brahimi, et tu sais qu'aussi il y a Gouiri, et tu sais qu'il y a Amoura. Il faut en prendre que 2. Je peux en prendre 4, je peux en prendre 5. Voilà. Et Yad al-Rahma. Donc ça fait 5. Si tu cites, par exemple, si tu cites, tu auras le droit à ta question, celui qui veut te poser la question. Si tu cites Bouanani, l'île SF qui n'avait pas de temps de jeu, qui avait 50 minutes jusqu'au dernier match, il avait 50 minutes depuis le début de la saison,
tu le compares tout de suite à Mahrez et Ounas. Tout de suite, c'est comme ça qu'il faut faire le truc. Il y a quelqu'un qui a cité. Qui est-ce qui a cité? C'est toi, c'est qui a cité Sayoud. Par exemple, il le compare, si tant est encore, faut, comprenez, vous savez un peu dans quel système je joue, il le compare tout de suite à Awar et Shaibi. Il dit, ça s'appelle de l'honnêteté. Ça s'appelle, je suis l'équipe nationale, je comprends le football, et voilà qui je le compare. Il ne compare pas à Issa Mandi, il ne compare pas à Ahmed Touba. Il compare au joueur avec lequel il est en concurrence. Salam alaikum coach. Vous avez parlé de la préparation de la Coupe d'Afrique. Je dépassais coach entre la 2021. Maintenant, on est proche de la Coupe d'Afrique 2023. Est-ce que vous avez tranché sur l'hébergement de l'équipe nationale, en sachant qu'il y a une City CAN, il y a plusieurs clubs, plusieurs équipes nationales, ou bien vous serez hébergé tout seul dans un hôtel, coach? Les choses sont en train de se faire. C'est vrai que la préparation est, pour moi, indispensable. Et indispensable, on vient de citer les deux dernières Coupes d'Afrique. Celle de 2019, où on était vraiment dans les conditions qui correspondaient à ce qu'on allait trouver en Égypte, en termes de climat, on a eu ce qu'il fallait en termes de matchs amicaux, dans les conditions qu'il fallait. Je vais même aller jusqu'au ce détail, bon ça c'est un pur hasard, mais du même nom d'hôtel, entre l'hôtel à Doha et l'hôtel en Égypte. Ça, c'est vraiment pour aller au bout de la chose. Mais c'est surtout les conditions climatiques et la possibilité d'avoir les matchs que l'on veut le plus important. Donc, sur ça, c'est sur la préparation. Donc là, on est en train de travailler là-dessus. Sur celle d'avant, on est resté pareil au Qatar. Il y avait, pour celle au Cameroun, il y avait des conditions extrêmement, extrêmement difficiles de par la présence de tout ce qui était Covid et tous les tests qu'il fallait faire et tous les avions qu'on pouvait prendre, atterrir dans un territoire, ne pas pouvoir sortir du territoire si on arrive avec le Covid. Bref, ça avait été une complication totale jusque dans la compétition elle-même où les différents dirigeants de l'organisation du COCAN venaient et vous disaient la veille « Hadaï Jimel Ab, Hadaï Mel Abj, Hadaï Walfi Chambra, Hadaï Mel Akhruj » et nous on était concernés à 100% pour tout ça. 100%, il n'y a pas un joueur qui n'était pas concerné par ça. Entre la préparation et les matchs, 100% des joueurs, 100% de Mujmoa, elle était concernée par ça, jusqu'au staff technique. Donc on a l'expérience de ces deux cannes-là et on en a tiré évidemment des conclusions et puis de faire en sorte de ne pas recommettre, s'il y a eu des erreurs qui ont été faites, de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Pour le lieu d'habitation, ça fait aussi partie de l'organisation qui doit être bonne, qui doit être même très bonne. Donc, avec les dirigeants, notamment le président de fédération et tout son comité, je ne me suis pas déplacé en Côte d'Ivoire puisqu'on avait un match contre je ne sais plus qui. On avait un match de championnat le jour du tirage au sort. Je crois que c'est contre le Cap-Vert. Donc, il a vu on s'est échangé les vidéos, tout ça et tout. Il a vu ce que proposait le COCAN. Et il a l'expérience, hein, je crois qu'il a 3-4 Coupes d'Afrique, il a l'expérience de tout ce qui est logistique, et notamment du lieu d'hébergement qui est indispensable, puisqu'on est censé être là-bas pendant un certain temps, j'espère le plus longtemps possible. Il faut être dans des conditions. Des conditions qui permettent d'être à l'aise, d'être bien concentré sur les entraînements, sur les matchs. Donc on est en train de travailler là-dessus. Le président est en train de travailler là-dessus, il connaît ça par cœur. Et sur ça, il y a un rapport de confiance. Il a cette expertise-là. Donc je ne suis pas au détail près, minutieux, voilà, avoir un hébergement. Par rapport à l'idée de regrouper les toutes, dans un lycée. Dans une cité, c'est ça qui s'appelle un lycée. Le lycée, c'est pour les entraînements. Non, il y en a. Cité de la classe. Ouais. Donc, ouais. En soi, c'est pas l'idéal d'être tout le monde mêlé. Bon, je vais pas commencer à me mêler de leur organisation. Donc, je regardais l'INA.
de se retrouver avec des équipes mélangées comme ça, ça m'a l'air un petit peu compliqué en termes de. Et puis souvent c'est des équipes qui sont. Avec toutes les équipes de mon groupe, c'est pas l'idéal. Donc on est en train de voir une solution parallèle, Inch'Allah, qui nous mette dans les conditions qui permettent, Inch'Allah, Rabbi, le bon résultat, la performance, Inch'Allah. Bonjour coach. Bonjour. Question coach, quand on a un match qui arrive contre la Somalie, qui, je le dis avec tout le respect pour les Somaliens, qui n'ont pas d'histoire sur le continent, vous l'avez dit vous-même, ni en club, ni en nation. Vous affrontez le Mozambique, qui est une équipe, une nation qui est en train d'émerger, bon, même si c'est encore modestement. L'approche dans la préparation, ces deux matchs rapprochés, est-ce qu'elle est différente? Qu'est-ce qu'elle pose comme problème? Je ne vais pas vous demander le détail, mais juste sur l'approche. Et la deuxième question, vous l'avez abordée, vous avez votre liste, vous le dites, vous vous rapprochez de la liste qui sera retenue pour la Coupe d'Afrique des Nations, peut-être il y aura un ou deux changements. La question, les hésitations que vous avez, ou la réflexion, pas l'hésitation, la réflexion que vous avez, se porte sur combien de joueurs? Si on peut avoir les postes également, ça serait intéressant. Mmh. Et si vous me permettez, la toute dernière, parce qu'elle va de soi, lors de la dernière conférence de presse, vous avez évoqué un sujet très sensible. Vous avez expliqué une démarche. Vous avez expliqué également la méthode. Mmh. Et là, je reviens, on a l'impression qui se dégage sur deux cas qui se sont posés, pas avec la sélection A, mais avec la sélection des U20. Est-ce qu'on travaille, tout le monde, de concert, justement, pour permettre... pour pouvoir capter les joueurs pour l'équipe A dans le futur? Le cas Guiri illustre très bien cette situation. Il était avec les espoirs, et puis après il a rejoint l'équipe A. Les deux joueurs qui n'ont pas rejoint la sélection, qui ont préféré aller vers l'Espagne. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait fallu, et vous l'avez dit d'ailleurs, hein, pas concernant ces deux joueurs, il faut les laisser maturer, tranquilles, de toute façon rien n'est compromis, que d'arriver à ce type de situation qui renvoie, je le dis, c'est un jugement, un manque de professionnalisme, voilà, tout simplement. Bon, j'ai eu une discussion en venant ici à Sidi Moussa il y a trois jours avec Rapide, hein, avec le DTN, que je salue, et qui, je suis sûr, et je ne le connais pas avant cette histoire même, parce que j'ai suivi évidemment ça, tout ça, mais je suis sûr que ça partait d'une bonne intention, et si je peux me permettre, et je ne pense pas que ça soit lui faire... lui manquer de respect, loin de là. Je sais qu'il est déterminé à faire beaucoup de choses et faire en sorte de ramener encore certains joueurs sur lesquels on pourra compter dans l'avenir. Je parle de l'équipe A, hein, dans l'avenir. Je sais qu'il est dans cette démarche-là. Mais ça ne serait pas de trahir notre discussion que de dire j'estime qu'il y a eu sur cet aspect-là un petit peu de naïveté. Un petit peu de naïveté, je dis ça avec beaucoup de... bienveillance. Il ne s'agit pas de tirer sur qui que ce soit, parce qu'il a ramené aussi d'autres joueurs, il a, en tout cas lui, son groupe, ceux qui bossent avec lui, dans le sens où à partir du moment où généralement on sollicite ces joueurs qui sont dans certains clubs de bon niveau, on crée comme un signal d'alarme dans ces clubs là et dans ces fédérations là Alors si par exemple une équipe nationale, bon, parlons de ces joueurs-là qui sont en équipe, qui ont choisi l'Espagne nouvellement, ils ont été en équipe nationale d'Espagne à partir du moment où la fédération algérienne a fait la démarche. Donc c'est pour ça que je parle de signal d'alarme. Donc s'ils étaient restés dans leur club, je suis pas sûr qu'on les avait pas démarchés. Je ne suis pas sûr qu'ils auraient été appelés par l'équipe U19 ou U20 ou je sais pas, c'est U20 d'Espagne. La situation est compliquée. La situation, elle est telle que je l'ai vécue. Déjà, joueur, je voyais un petit peu comment ça se passait. Moi, joueur, jeune, je l'ai vu avec tous les joueurs qui nous ont rejoints, avec plus ou moins de difficultés, plus ou moins. Il y a eu des joueurs où c'était très facile. Je vous les ai déjà dit. Bouanani, Shaibi, ça glissait, c'était très facile. Les clubs, je vais dire publiquement, je pense que je l'ai déjà dit, je vais le répéter, les clubs en Europe travaillent avec leur fédération respective. Ils bossent ensemble. Il y a des accointances, c'est eux qui disent aux clubs, c'est les clubs qui disent aux fédérations, voilà, on a tel joueur, tel joueur, tel profil, tel poste,
qui est en train de grandir. Tel est... ça, c'est clair et net. Donc, à partir du moment où ces clubs travaillent comme ça, conjointement avec les fédérations, quand nous, nous arrivons chez eux et qu'on leur dit, nous, on veut prendre ce joueur-là, il y a de suite, c'est de suite le contact, il se fait automatiquement. Voilà, attention, il y a la fédération algérienne qui est venue prendre ces joueurs-là. C'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Hein. C'est eux qui forment les joueurs et tout ça. Donc, alors, quelle est la solution? Déjà, je n'ai pas de solution miracle. Juste par expérience, hein, sans véritable grande réflexion, mais par expérience, si vous arrivez à voir le joueur et qu'il n'y a pas de souci, vous le convoquez et qu'il n'y a pas de souci. Moi, quand je dis la naïveté, c'est d'avoir fait, surtout d'avoir sorti la liste. C'est pour ça que je dis j'ai toujours un problème avec ces histoires de liste, parce qu'on donne à la Vox Populi, on leur donne plein d'espoir, des noms, et puis soudainement on dit ah non, finalement, Hedam Eji. Donc, moi, je pense qu'on aurait, sur la fin, l'idée, elle est pas mauvaise. On va les contacter. Ils sont enclins à venir. Les clubs les libèrent. Il n'y a pas réellement de soucis, tous ces trucs-là et tout. Et qu'on ne perturbe pas leur formation. Donc, ça, c'est des rapports avec les clubs. De toute manière, c'est une histoire de date FIFA. Donc, si les clubs ne veulent pas libérer, ils ne libèrent pas. Donc, si les clubs libèrent, ça veut dire qu'ils sont coopératifs et donc il n'y a pas de soucis. Si ils acceptent ça, on y va. S'ils n'acceptent pas ça, eh ben on force pas. Ça s'arrête. Moi, des joueurs d'équipe A, qui sont devenus des joueurs d'équipe A, j'ai tous opéré de la même manière. On n'a jamais forcé qui que ce soit. On explique bien, il y a une constance, il y a une continuité dans les rapports, dans les discussions. Ça prend un an, deux ans, trois ans, s'il le faut. Tranquillement, en attendant, on travaille. C'est bon. On n'attend pas les joueurs. En attendant, on travaille. Et puis vient le jour où les conditions sont réunies pour qu'ils puissent nous rejoindre. Alors, les joueurs qui sont dans des centres de formation comme ça, on les sollicite. Ils peuvent venir, tant mieux. Ils ne peuvent pas venir, on les laisse dans les clubs. Ils bossent. Il faut donner aussi l'impression aussi à ces fédérations, etc., qu'ils vont pouvoir bénéficier de ces joueurs-là sur lesquels ils sont en train d'investir. Si très tôt on les prend de force et tout, on peut casser une dynamique, on peut casser un truc, on peut casser des étapes de formation, on peut les empêcher de... Donc bref, il y a une vraie analyse à faire là-dessus, une vraie réflexion à faire là-dessus. Je reviens sur ce que j'ai dit au départ. Sur le fond, c'est pas mal, cette démarche qui a été faite, elle est pas mauvaise. Sur la forme, peut-être que voilà, il y a eu un peu de naïveté, un peu de truc, je pense. Comment? Un peu de maladresse, un peu de naïveté. Je pense qu'ils le reconnaissent aussi. Mais moi, j'aime pas l'idée qu'on leur tire dessus et truc, parce que dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont recruté deux joueurs sur lesquels ils ont annoncé, et ces joueurs, et en plus, ces joueurs ont dit qu'ils, d'après eux, hein, d'après le DTN, j'imagine que c'est vrai, ils n'auraient pas mis dans une liste. Ils ont dit qu'ils voulaient rejoindre l'équipe nationale, les parents, les joueurs, le club apparemment, le centre de formation, le directeur du centre de formation. Mais à la fin, ils se sont retirés quand justement il y a eu l'Espagne qui est venue se juxtaposer. Hein? Ouais. Et qui a été payante, ouais, sur... J'ai suivi toutes vos conférences de presse. Donc sur le temps, vous avez joué la prudence, vous êtes parti doucement. Mais également, à partir d'une expérience qui est vécue, la vôtre, et vous l'avez dit en conférence de presse, laissez maturer le garçon tranquillement, garder le contact. Je suis plus pour ça, moi. Voilà, c'est pour ça que je reviens. C'est pour ça que je reviens. Votre expérience doit servir à tous ceux qui arrivent derrière, notamment sur la question des joueurs algériens nés en France. Voilà, c'est pour ça que j'ai... C'est pas le but. C'est le vécu, parce que le vécu compte énormément sur ce type de situation. Non, mais de la manière dont tu dis, maman, c'est exactement ce que j'ai dit au DTN. J'ai dit, moi, mon avis, c'est ça. Et je lui dis, à côté de ça, ça profitera sur un truc sur lequel je suis d'accord. Ça profitera au fait d'intensifier, de mettre tout en œuvre pour former ici, pour former en Algérie. Voilà, ça, c'est un éternel sujet. Mais faisons-le. Et quand on voit qu'on forme, je ne vais plus citer de club parce qu'apparemment ça pose problème à certains, mais quand je vois le club qui est premier du classement du championnat, ça pose problème, avec des enfants, ça fait donc ça pose, certains, ça pose problème puisqu'ils sont dans des petites cases, dans des petits calculs, alors que nous on voit l'intérêt national. Au moins, ils sont dans des petites affaires. Donc voilà, prenez, il y a des modèles qui marchent. À partir du moment où il y a de la bonne volonté, je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de joueurs. La qualité, le talent, le truc, on l'a, on va pas le répéter. C'est pas moi qui invente ça. Aujourd'hui, dès qu'un problème avec ta chaise, donc moi, pour moi, c'est ça. C'est une occasion d'insister sur le vivier national, de mettre en place, j'espère, il y a une nouvelle direction qui arrive.
on accorde le bénéfice du doute à ceux qui arrivent à chaque fois. Et je vois quand même les choses, certaines choses à l'intérieur qui ont l'impression que les choses bougent assez. Donc j'espère qu'on mettra une vraie politique de formation. J'ai toujours souhaité ça, j'ai toujours pensé ça. On a cité des joueurs, on a cité Blayley, on a cité ça, on a cité voilà, Attal, on a... Sur un modèle, sur le modèle, je ne sais pas, il y a un modèle, vous l'avez dit, qui a fonctionné aujourd'hui, c'est un modèle, mais d'aller sur les centres de formation. Est-ce que ça va se faire avec un pays étranger qui a réussi en la matière ou pas? Ça, je ne sais pas, mais je sais qu'aujourd'hui, la priorité est donnée à la formation. Et ben voilà. Et ben je suis sûr qu'on aura des résultats. C'est pas parce que je suis visionnaire ou devin. Je sais qu'on a de la qualité. Je sais que quand on fait juste un petit effort de formation, on a des résultats, on a des vrais résultats. Donc, à partir du moment où il y a une politique, même si le football n'est pas une science exacte, c'est une certitude qu'on aura des joueurs de qualité à l'avenir. Donc, et puis, plus tard, on récupère ces joueurs-là. Et je vous dis, s'il y a des joueurs qui sont enclins dès maintenant et qu'il n'y a pas de problème avec les clubs et qu'ils n'y voient aucun souci, à la limite, c'est le rapport avec les clubs. C'est très, très important. Une fédération, en tant que fédération, nous, on est une fédération étrangère quand on arrive chez eux. C'est nous on doit créer ces liens. Moi, je ne sais pas, en tant qu'entraîneur, en tant que sélectionneur, je suis en contact avec beaucoup de présidents de fédération et je sens le poids de la responsabilité dans les échanges. Je me dis que je ne parle pas en mon nom, je parle au nom de la fédération algérienne en tant que technicien sur des situations bien précises. Donc à chaque fois que je m'adresse, à chaque fois que je parle, même si des fois j'ai envie je tempère pour pouvoir créer, un jour ou l'autre on en parlera en détail, mais je vois les résultats que ça crée, des liens avec les clubs. Croyez-moi que quand on est dans ce rapport humain et tout, croyez-moi que ça porte ses fruits. Voilà. Passer en force, ça marche pas de toute manière. Passer en force, ça marche pas. Sinon, c'est un sujet intéressant de toute manière. C'est pour ça qu'on prend plus du temps. Mais c'était quoi l'approche concernant les deux matchs, ouais. vous affrontez une équipe présumée faible, et après vous avez quand même le Mozambique trois jours après. L'approche, comment elle se fait? Les équipes, je suis tout à fait d'accord. Hein, c'est les résultats qui le montrent. Elle est présumée faible. On va pas tourner autour du pot. Mais vous savez que des équipes présumées faibles, il y a à chaque fois des mauvaises surprises dans chaque date FIFA, partout, dans tout le continent, même d'ailleurs des fois en dehors du continent, dans d'autres continents, en Europe, on peut trouver ça. Il y a toujours, et surtout le démarrage d'une campagne de qualification Coupe du Monde, c'est déjà juste le titre, la compétition elle-même, elle grossit plus le match que... Je sais pas, si tu me disais peut-être qualification Coupe d'Afrique, ce serait déjà une approche peut-être différente. Je ne parle même pas d'un match entre guillemets amical. Mais là, c'est qualification Coupe du Monde. Il y a de suite cette idée de eux, ils vont élever leur niveau de concentration, niveau de motivation, de tout ce qu'on veut. Puis ça reste qu'on le veuille ou non, on dit le terme comme ça, je respecte ça. Ça reste des athlètes, ça reste des sportifs de haut niveau. Ils sont capables, s'ils travaillent ensemble jusqu'au bout, et qu'ils sont capables de gagner du temps, gagner du truc. On connaît ce genre de match. Donc on ne veut pas tomber sur cette erreur-là. On n'a pas d'excuses. Donc on est dans cette idée de... C'est une double... Si j'avais un match le 16, j'avais un match le 21, la chose serait différente. J'ai un match le 16, j'ai un match le 19 et j'ai 10 heures de voyage entre-temps. Donc, je ne sais pas si vous le savez, on part tout de suite après le match. Donc, on joue à 17h, on part le soir à 23h. Donc, il va y avoir une approche, bien sûr, une approche différente. Il va y avoir un calcul sur ces deux matchs-là, une gestion de ces deux matchs-là, elle est obligatoire. Mais en même temps, je dois faire en sorte de m'assurer que voilà, sur ce premier match-là, on ne fasse pas d'erreur, qu'il n'y ait pas d'accident. Donc ça, je dois m'assurer de ça. Donc il faut combiner les deux choses. Et puis c'est pour ça qu'on risque de voir une situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. On risque de voir des choses durant le match inhabituelles que je vais devoir faire à partir d'un certain moment. Vous comprendrez, Inch'Allah. Comment ? En matière de coaching, vous comprendrez normalement durant le match. Ça sera un peu bizarre, mais c'est pas toutes les équipes qui jouent un match international. Je crois pas qu'il y en a. Je crois pas que ça existe que chez nous, ça. Je suis sûr, dans la zone Afrique, là, je suis sûr qu'il n'y a aucune équipe qui joue le 16 et le 19. Peut-être le 16 et le 20, le 16 ou le 21 la plupart. Je suis sûr qu'il n'y en a aucune qui fait ça. Donc, on va devoir s'adapter à ça.
Et voilà, j'espère que les choses vont se dérouler comme on les a planifiées. Après, oui, de toute manière, je me dois d'être dans la réflexion de par les joueurs qui sont en concurrence et qui sont de valeur. Je me dois d'avoir cette réflexion jusqu'à l'ultime moment. Et je le dis réellement, hein, c'est dans ma tête ce groupe-là et ce qui est le groupe qui est là pour ces qualifications Coupe du Monde est pour moi le meilleur groupe. Mais il y a encore un peu de temps, et puis il y a des choses qui peuvent se passer, vous le savez, hein, les blessures, les grosses méformes, les choses qui peuvent se passer à certains postes, et je vais être attentif jusqu'au bout, ça c'est sûr. Salam alaikum, coach, vous avez parlé de la formation et des difficultés par rapport à qui sont nés en France et de les faire venir ici pour les catégories jeunes, l'équipe nationale. Ici en Algérie, Inch'Allah, c'est vrai qu'on est en retard, mais mieux vaut tard que jamais. On se dirige vers la formation. Il y a le Mondial d'Alger qui a signé un partenariat avec l'Aston Villa. Il aura bientôt son centre de formation. C'est le même projet de l'USMA d'Alger, le CRB, plusieurs clubs ici en Algérie pour former les jeunes et les injecter dans les différentes catégories de l'équipe nationale. Et peut-être en fin de conférence de presse, un mot par rapport à tout ce qui se passe à Gaza. Merci. Oui, j'ai vu il y a 2-3 jours, avant-hier, je suis passé à Baraki voir le terrain et j'ai rencontré des jeunes du CRB. Apparemment, leur centre de formation est pas loin. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des clubs qui enfin consacrent du temps et à ce volet indispensable, incontournable. Vous savez, je suis issu, je vais vous donner une petite expérience. Moi déjà, je suis issu d'un centre de formation, j'ai fait toutes les étapes d'un centre de formation. Je suis arrivé à 14 ans dans un centre de formation au PSG et j'en suis sorti à 19 ans. J'ai fait tout le cursus. Des fois, on arrive à 17 ans, 18 ans, 16 ans. Moi, j'ai fait depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à devenir pro. Et en même temps, j'ai participé à la création d'un club au Qatar, qui est un des meilleurs clubs aujourd'hui d'Asie, qui s'appelait le Dohil, qui s'appelait l'Erkhouya à l'époque. Et où justement, on arrivait, on a insisté d'abord sur les équipes, l'équipe première et la réserve. Et ensuite, on a travaillé sur la formation avec beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, on est sûrement le meilleur centre de formation, ce club en tout cas. C'est le meilleur centre de formation du Qatar, peut-être même d'Asie, parce que je vois il y a énormément de qualité. Et je vois qu'en si peu de temps, entre la création du club, c'est en 2009, aujourd'hui, ça fait déjà 5-6 ans qu'on est quasiment les 7 ans maintenant que ce club est le meilleur en termes de formation. Je vois qu'il y a une volonté, alors qu'on n'avait aucune catégorie de jeunes, qu'il y a une volonté de travail, tant dans le scouting. Le centre de formation, c'est une élite, hein, donc il y a du scouting à faire. Choisir les meilleurs. Chaque club a ses scouts pour aller choisir les meilleurs. C'est avec les meilleurs qu'on forme. La formation, c'est un groupe élite. Donc on a une vraie cellule de scouting. Ensuite, ils ont ramené des vrais formateurs. Aujourd'hui, en très peu de temps, bon, le pays est plus petit, mais il y a moins de qualité. Là aujourd'hui en Algérie, tu crées. Je lui dis, j'ai pas envie de citer le nom du club, mais aujourd'hui, c'est le club qui nous donne le plus d'internationaux. C'est le club qui s'autofinance. C'est le club qui vend des joueurs à l'étranger. C'est le club qui est aujourd'hui premier du classement. Je peux en dire des choses, qui est en train de créer son centre d'entraînement avec ses propres fonds. Donc c'est quand même un modèle qui fonctionne. Et le modèle, il est simple en fait. C'est d'abord avoir des cellules de scouting, après émettre des formateurs de qualité avec une structure, avec des infrastructures. Donc à partir du moment où on a ça, donc ces clubs apparemment sont sur cette lignée-là, je ne connais pas les détails de leur travail. Je suis sûr qu'on peut avoir très très vite du résultat. Il y a plus de garanties dans notre pays que dans d'autres pays où il y a moins de qualité, où il y a moins de vivier, où il y a moins de talent. Donc j'espère que les gens ont pris ça très sérieusement, ne serait-ce que pour leur intérêt à eux. Les clubs, ils pensent pas quand ils forment, ils ne pensent pas à l'équipe nationale A. Ceux qui mettent de l'argent des entreprises, entreprises étatiques ou des entreprises privées. Ils mettent de l'argent, c'est pour avoir des joueurs dans leur club, les faire grandir, peut-être demain avoir des résultats avec eux, les vendre, tout ça.
Tout ça c'est légitime, pourvu qu'il le fasse, tout simplement, pourvu qu'il le fasse. C'est vrai, mon coach. Bon, quatre questions. Ouais. On a une conférence, Inch'Allah, l'une Al-Bira. On prend trois ou quatre questions et on arrive. D'accord. C'est vrai, mon coach. Coach, j'ai des questions. سؤال طبعا راح يكون حول لاكان كوتش الكاف حددت تاريخ 13 ديسمبر لارسال القائمه الموسعه القائمه الموسعه راح يكون فيها 55 لاعب القائمه الاساسيه راح يكون فيها 23 لاعب مع اربع لاعبين كاحتياط كيفاش راح تتعامل مع هذا القرار الصعب نعم ثاني سؤال راح يكون تكميلي لسؤال الزميله حول اللاعب اسماعيل بن ناصر كوتش نادي ميلان حدد تاريخ 4 جانفي باش يعاود يرجع اللاعب يلعب اسك راح يلعب كاساسي او لا هذه ما يعني تعود للفريق طبعا في القانون كوتش يقول في منافسه رسميه يلتحق اللاعب باسبوعين طبعا تربص المنتخب اللي راح يكون ما بين 20 ديسمبر ان شاء الله كوتش اللاعب بعد الإصابة اللي تعرض لها راح تكون أكيد إصابة هي مش عادية تشبه إصابة فوزي غلام الإصابة هذه راح تكون يعني ربما راح تحرمه من الكان حبيت نقول لك كوتش اللاعب يستحق باش يعود يرجع للفورمة العالية يستحق حوالي 6 أشهر وهذا عندك البرنامج راكي طبيبه راكي عندك 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 سؤال علي انا ما عنديش معليش باش نقول لك برك كوتش لو تصرى يعني معجزه ويرجع يلعب لاعب لاكان ربما راح يتعرض للاصابه وهذه الاصابه لو يتعرض لها بعيد شر احنا نقولوا له علي لو يتعرض لها راح تحرمه من يعني تنهي له مشواره هل فكرت في هذا الشيء اوكي بون je vais commencer par dire à Ismaël Ben Nasser Ismaël Ben Nasser a eu une isaba مهمه isaba ماشي سهله et rare en plus à son âge et je vous l'ai dit depuis le début en plus pourquoi j'ai pris des gants en vous disant en vous donnant une sorte de diagnostic médical parce que je suis pas malanish tbeb et je vous ai dit depuis le début que sa blessure c'est pas comme par exemple un ligament croisé qui est un protocole qu'on connaît plus ou moins en fonction des différents joueurs ça peut aller de 5 à 6 mois 7 mois en fonction de l'évolution des uns et des autres le corps d'un joueur ce n'est pas le corps de l'autre donc chacun a sa manière de revenir sur une blessure mais on peut fixer plus ou moins des dates quand on a des blessures classiques même si elles sont graves du type ligament croisé sa blessure à lui je ne rentrerai pas dans les détails ce n'est pas à moi de le faire sa blessure à lui est différente mais ce que je peux dire d'ores et déjà elle est complexe dans le sens où moi j'ai eu ça peut-être pas sur un accident comme lui d'un coup j'ai eu ça sur un certain délai, sur un certain temps mais c'est in fine c'est la même blessure donc c'est pour ça que je parle avec un petit peu d'expérience en disant que on peut pas fixer concrètement une date de retour donc nous ce qu'on fait là on travaille, on bosse on est attentif bien sûr ne serait-ce que par solidarité pour notre joueur qui est Ismaël on est attentif à son évolution même si c'est pas pour revenir pour la CAN, même si c'est le but c'est de toute manière en tant qu'éducateur ou qu'entraîneur la priorité des priorités c'est la santé de nos joueurs donc on n'est pas là pour aller prendre des risques on n'est pas là pour aller précipiter son retour si demain il venait parce que étape après étape les choses elles peuvent pas ni le coach du Milan AC ni personne ni moi-même encore moins moi puisque je suis pas au quotidien avec lui même si je l'ai régulièrement au téléphone personne ne peut donner si le coach a dit qu'il reprenait qu'en janvier voilà Ken ça peut être vous pouvez peut-être le voir peut-être je suis pas en train de dire c'est sûr c'est peut-être qu'au mois de décembre il sera en train de jouer donc on sait pas donc à chaque jour suffit sa peine je le répète souvent il est en train de se préparer il est en train de bien travailler donc il reviendra quand il reviendra si c'est pour la CAN tant mieux c'est qu'il aura validé tout ce qu'il faut pour pouvoir prétendre à jouer une compétition aussi difficile, aussi éprouvante que la CAN. S'il ne peut pas,
il reviendra quand il reviendra. Je pense que c'est un sujet sur lequel on est clair là-dessus. En attendant, nous travaillons, et il y a des joueurs, je veux dire, même si c'est un joueur important comme les Riyad Mahrez, comme les Inch'Allah Nabil Ben Taleb, comme les Rami Ben Sebaini, on ne peut pas baser notre sécurité, baser notre sélection sur des joueurs mais aussi importants soient-ils. C'est la sélection et c'est le groupe qui feront qu'on ira loin et qu'on peut obtenir des titres. Voilà. Donc le cas Ismaël Benacer, je n'ai pas envie d'en revenir dessus. Ensuite, sur le Barnamaj Liderté, il y a des choses vraies, des choses moins vraies, il y a des choses que vous avez que moi j'ai pas. Mais en tout cas, d'ailleurs, je ne sais pas c'était quoi la question par rapport au Barnamaj. Ah, liste élargie, tout ça. Oui, on a des dates, on a des choses, on va respecter les dates, et j'ai répondu déjà à Mahamar. Jusqu'au bout, la réflexion se fera. Les clubs terminent plus ou moins autour, c'est pas tous les clubs, mais par exemple les clubs français, il y a beaucoup de joueurs du championnat de France, terminent autour du 20-21 décembre. Les Italiens, un an plus tard cette année, ils ont d'autres matchs, ça s'étire jusqu'à fin décembre. Les Anglais ont le Boxing Day, il y a plusieurs paramètres, plusieurs choses qui sont évidemment prises en compte. Ouais, avec tous ces éléments-là, on va faire en sorte d'avoir le meilleur groupe possible pour cette CAN, Inch'Allah. Salam alaykoum coach, Saïd Amrouche, Jarida Al-Ahdaf. كوتش الخامس الماضي في جامعة الجزائر 3 يعني وقفت دقيقة صمت رفقة الطاقم الفني على أشقائنا في فلسطين وغزة وبعدك بساعات يعني شفنا عيسى ماندي وين رفض تضامن مع الصهاينة وما دخلش إلى وسط أرضية الميدان وقبله محرز وعطال اللي ضامنه مع القضية الفلسطينية وهذا موقف مشرف منكم ما هو تعليق الكوتش على هذه الخطوة وسؤال ثاني يخص يعني الورشة الأخيرة اللي نظمتها في جامعة الجزائر 3 مع التربية البدنية يعني وإن كانت مفيدة للطلبة وهل يطمح الكوتش إلى برمجة ورشات أخرى مستقبلا؟ déjà هذه je réponds déjà à la deuxième question. Ça faisait longtemps que j'avais reçu plusieurs invitations de ce style. Moi, j'aime tout ce qui a un rapport aux études, quelles qu'elles soient. C'était avec un grand honneur, un grand plaisir de partager avec notre expérience au Talmou Badana sur nos différentes expériences. Donc, c'est une chose que j'aime faire. Sûrement que je referai ça dans l'avenir, même si normalement, sans, ça devait se faire en comité restreint, comme condition entre guillemets, ça devait être les étudiants et moi-même. Vous étiez présents en masse, c'était pas le but. Bon, ça c'est un détail. Non, Inch'Allah, dans l'avenir, s'il y a des choses à faire et que je peux être utile. Et moi aussi apprendre, c'est avec plaisir. Après, pour la cause de nos frères Palestine, bien sûr, on a ma'hum, da'mouhum, déjà, pour pas faire les hypocrites. On peut da'mouhum ribid bid'du'a, hein, donc pas se raconter de bêtises. Et Rabbi hafadhum, Rabbi shafi les malades, les morts, Inch'Allah que tout ça cesse le plus vite possible. Là, maintenant, chaque jour qui passe est un jour très très difficile. Saïb Jeddan Lihum ou Lina Melbeid, ça Lina. On doit avoir une pensée pour Kolium, Fekut Dua, Fekut Salat. Et il faut exiger que voilà, les choses s'arrêtent le plus rapidement possible avant de faire le sef sur quoi que ce soit d'autre. D'abord que ça s'arrête, après on peut passer à d'autres étapes. Salam alaikum, Ahmed Yazid Duma, Rachel Bilot. Coach, deux petites questions. La première, je vais enchaîner sur la question de Mahamar, un autre joueur en Milan AC qui a enchaîné quelques matchs auparavant, même s'il revient sur le bon touche, Yassine Adli. Est-ce qu'il intéresse toujours Jamal Belmadi dans l'avenir? Par rapport à sa réponse, par rapport à son dossier.
La deuxième question, c'est le retour au stade justement Nelson Mandela après le 19 mai à Annaba et Chahid Hamlaoui à Constantine, justement, et le retour aussi du public après un mois d'absence, question de solidarité avec le peuple palestinien. Merci. Pour Yassine Adli, je pense que j'ai déjà répondu. On a déjà. J'ai déjà, pour le coup, pour parler clairement, j'ai déjà plusieurs fois discuté avec lui depuis pas mal de temps, pas mal d'années, donc depuis Bordeaux, on va dire. Hein. Comme j'ai dit à maman, l'idée, entre guillemets, la balle est dans son camp. Maintenant, je fais l'approche du sélectionneur dans le domaine technique et explication du projet, comme je l'ai fait avec tout le monde. Et maintenant, la balle est dans son camp. Donc, Ouhanan Guedmo, et on avance, et voilà. Donc, il n'y a pas à faire plus que ça. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on va faire plus que ça. Donc, la balle est dans son camp. Mais, entre guillemets, voilà. Ce n'est pas la balle est dans son camp ou la Nsenna. Non. Le jour où il vient mettre. Où il vient et il dit voilà maintenant coach, il sait à quelle porte taper et il me dit coach, je suis tout à vous en tout cas à l'équipe nationale, je suis dispo, et ben voilà, la réflexion elle se met en place, il devient sélectionnable, il y a une étape après, à ce moment là il y a l'étape sur laquelle évidemment on assiste nos joueurs. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est pas le joueur Wahdou, il fait son truc, c'est nous qui s'occupons du dossier de changement de nationalité sportive. Il n'a pas à faire grand chose le joueur. Mais juste avec les mots, ils nous disent c'est bon, je suis disponible. Hop, il y a une machine qui se met en place assez rapidement. Et les choses, voilà, il devient sélectionnable. Donc on n'en est pas dans cette étape-là. Après, oui, on a joué ce stade-là qu'on nous avait présenté comme étant, entre guillemets, le stade de l'équipe nationale. Je pense que chaque pays a un stade principal pour l'équipe nationale. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro match qui doivent se jouer là-dessus. Mais il y a quand même une adresse pour une équipe nationale. Aujourd'hui, si on dit c'est quoi l'adresse de l'équipe nationale, Medjmouj Boulouni, c'est Barrari, puisque l'Amnari match Wahed. Hein? Je répète, c'est pas par jalousie ou par la peur, non, la gamme Abad, mais quand je vous dis que les U17 ont joué largement plus que nous, que le Mahalin ont joué largement plus que nous, que les clubs ont joué largement plus que nous, que les féminines ont joué largement plus que nous, qu'il y a eu des matchs amicaux largement plus que nous, on a les derniers avec un match, alors qu'on disait que c'était notre stade. Apparemment, je ferme les stades. C'est ce qu'on m'avait dit. Il y a quelqu'un qui a dit que je fermais les stades. Ben, je me ferme le stade à moi-même, en fait. Donc, nous, on a l'île SF. Franchement, l'île SF, parce que, bien sûr, qu'une infrastructure telle que Baraki, elle appartient à tout le monde, comme le Stade de France en France, ou Wembley en Angleterre, partout, tous les pays du monde. Rihnaya, qu'un stade doit appartenir, tout le monde doit jouer dessus. Parce que. Ah, Shahrahada, il n'y a pas l'équipe nationale. Ah ben, l'Abu Gafi. Ça, le jour où il y a l'équipe nationale qui vient, ben, ça devient comme ce qu'on va. Il était prévu qu'on aille s'entraîner aujourd'hui, demain dessus, et la veille du match dessus. La veille, c'est normal. Hein? Donc nous, c'est anormal, puisqu'on va ni demain s'entraîner dessus, on devait s'entraîner mardi dessus, et la veille là-dessus, et la veille dessus. On va ni s'entraîner mardi, ni s'entraîner la veille. On est dans la même situation qu'à Annaba, sans faire de polémique, mais c'est un fait. Le stade n'est pas. Si on s'entraîne dessus, on va l'endommager. Donc Hadi, quand j'explique, les choses elles sont très simples, très claires. Et il n'y a pas besoin de chercher à côté, il n'y a pas besoin de faire de polémique à côté. Il y a une situation qui est là. Donc voilà, ce stade-là, nous avons à le redécouvrir, à rejouer, puis les repères pour ceux qui connaissent le football, c'est important. C'est pour ça qu'on dit match à domicile ou match à l'extérieur. Pourquoi on dit ça toute la journée? Parce que domicile, ça veut dire quoi? T'es avec tes supporters et t'es avec tes repères, ton terrain, tu connais. Donc nous, on n'a pas ça, on n'est pas là-dedans. On aura nos supporters, ça, pas de problème, alhamdoulilah. Ou à le stade, on n'a pas nos repères dessus. Et il faut dire le haq, sans faire de polémique, ça ne sert à rien. Ça ne sert plus à rien, apparemment. Il n'est pas dans son état le plus adapté, on va dire, à un match d'équipe nationale. Bonjour, coach. Alors, j'ai deux questions. Première, c'est encore sur cette date FIFA de novembre.
C'est une date pour la qualification de Coupe du Monde. Ça tombe à un mois et demi de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors c'est en même temps deux matchs importants, vous l'avez dit, contre des équipes qui ne sont pas forcément des foudres de Docker, mais c'est quand même une qualification pour la Coupe du Monde. Et c'est deux matchs et deux dates pour que vous vous fassiez une idée presque définitive, je dirais même définitive, avant le choix de votre liste en décembre. C'est-à-dire que ce sera des matchs qui auront une double importance pour vous, les jouer sérieusement, quelle que soit la qualité de l'adversaire, et en même temps, peut-être vous faire les dernières idées ou les dernières certitudes avant de faire votre choix pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc ma question, elle est comment vous allez allier les deux. Ça, c'est ma première question. La seconde, vous allez peut-être dire qu'on va essayer de rentrer un petit peu dans votre tête, mais c'est aussi le but un peu d'une conférence de presse avec Belmadi. Il n'y a plus de secret maintenant pour les équipes de foot. Tout le monde peut regarder les adversaires. On a même parfois peut-être dit que la façon de jouer de Belmadi est devenue prévisible. C'est vrai que c'est un jeu plutôt offensif, où il y a un pressing haut, récupération, on joue beaucoup sur les côtés. C'est souvent par là que viennent les buts. Ma question, souvent, dans cette conférence de presse, on est revenu sur le nom. Pourquoi celui-là? Pourquoi pas celui-ci? C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est est-ce que Belmadi peut encore surprendre? Et avec cet espoir de surprise, est-ce qu'il a déjà trouvé l'effectif qui pourra jouer en Coupe d'Afrique avec des dispositifs, des systèmes et des philosophies différentes? Voilà ma deuxième question. Bonne question. Les systèmes et les dispositifs, je commence par cette question, c'est celle qui m'intéresse le plus. Les systèmes et les dispositifs mis en place sont importants. Une défense à 3 ou de jouer une défense à 4, c'est complètement différent. Mais donc c'est important. Mais c'est réellement l'animation qui est le plus important. J'ai entendu, j'aime quand ça parle comme ça, tactique, on peut être d'accord, pas d'accord, bien sûr, évidemment. On ne détient pas la science infuse ultime. Ce serait de grave erreur de penser comme ça. Et on apprend tout le temps. À partir du moment où on se place dans cette position d'une personne qui veut à chaque fois savoir comment on peut être meilleur encore. L'animation est importante. J'ai déjà vu sur une émission où on parlait après un match où des techniciens, pour le coup, des vrais techniciens, c'est-à-dire des joueurs qu'on joue à un certain niveau, se posaient la question sur. Alors il y avait un mix entre deux techniciens et des animateurs, quand je dis des animateurs qui peut-être sûrement connaissent le football, mais peut-être pas autant que les techniciens. Et quelqu'un qui n'a jamais un maillot de quelque division que ce soit, ils ont beau parler de la même chose, mais c'est pas le même niveau d'interprétation d'un match. Donc à un moment donné, du système dans le, je crois que c'est après le match du Cap-Vert, et chacun sa vision des choses, c'est bizarre, d'accord sur le système que l'on voit, leur dire tout simplement, et alors qu'il y avait des d'animation, on n'est pas, le football est un sport où tu, moi je compare souvent à une partie d'échecs, donc tu bouges tes pions en fonction, avec une stratégie, c'est pas quelque chose de statique, c'est pas quelque chose qui doit être statique. Ok, il y a des systèmes qui sont classiques, on les voit, et même dans leur animation, c'est. J'ai jamais été dans cette situation là. Je veux, c'est souvent dit, et ce que je vous ai dit, c'est ce débat là où ils cherchaient à savoir, par exemple, au milieu de terrain, si c'était 2 et 1 ou 1 et 2, une sentinelle et 2, 8, 2, 6 et 1, 10. 4-1-4-1, 4-3-3, qui peut me dire c'est 4-1-4-1. C'est le est infime dans l'interprétation d'un système. Donc ils arrivaient, écoute, avec le ballon, on sait
configuration avec et sans le ballon, on est dans cette configuration. Défensivement, on est comme ça. Offensivement, on est comme ça. En fonction d'une organisation adverse, en fonction d'un positionnement adverse, et qu'il faut avoir cette flexibilité et un système modulable, notamment au milieu de terrain. Donc, c'est des choses qui, pour moi, me semblent évidentes et sur lesquelles on a travaillé. Et c'est peut-être pour ça que certains n'arrivent pas à comprendre dans quel système on joue, parce qu'ils voudraient avoir offensivement, défensivement, avec et sans le ballon dans toutes les dispos, dans toutes lignes bien prises. Le système est important, mais l'animation l'est encore plus. Et c'est là qui est notre travail. Donc, pour répondre à la question, à savoir comment on va faire pour encore surprendre, encore truc. Vous pensez que je vais commencer à moi. Quand on joue contre le Cap-Vert avec une sorte de 4-4-2, 4-4-1-1, 4-2-3-1, c'est la même famille. Ça dépend du profil du joueur qui est derrière l'attaquant. Ou si c'est deux attaquants purs, Slimani et Bardad Bounedjah, Slimani et Amine Gouiri, Slimani et Fares Chaibi, c'est différent. Le joueur, mais c'est de la même famille. C'est un joueur qui est là sur l'animation offensive, sur l'animation défensive. Est-ce que c'est la même chose qu'un 4-3-3 où il n'y a pas de joueur derrière l'attaquant? Non. Donc on a joué comme ça, par exemple, contre le Cap-Vert avec Emine Gouiri derrière Slimani. Et par exemple, contre l'Égypte, c'était contre le Sénégal, c'était différent. Donc, et si on regarde les trois matchs, donc on gagne 1-0. Et c'est ça qui comme tu dis, ouais, son identité. Donc on peut être dans une animation différente, un système différent si on le veut, mais qui reste dans notre identité. Donc quand vous regardez par exemple Liverpool, quand vous regardez Manchester City, quand vous regardez, ils ont une identité précise. Klopp, ça fait 10 ans qu'il joue avec le même système. Il a gagné des Champions League, il a eu une Champions League, c'est déjà beaucoup. Il a gagné ça, il a gagné ça, il a perdu après. Est-ce que pour autant il a tout remis en cause? Est-ce que c'est pour autant une garantie de résultat? Souvent non. Non mais je... Non, déjà, c'est vrai que le football est un rapport de force en fonction de l'adversaire que l'on a. On n'a pas toujours imposé le jeu, en tout cas le jeu identifié. Mais moi, j'avais dit une fois, j'aimerais jouer tous mes matchs comme ça. Par exemple, City, son cap, c'est sûr et certain. Bon, c'est un travail qui est différent. C'est un travail où tous les jours du quotidien, on n'a pas ça. Donc l'équipe nationale, c'est complètement différent. J'aimerais avoir ça, mais quand on joue contre le Sénégal, on est plus dans le réalisme qu'autre chose, quitte à travestir un petit peu certaines choses, mais le plan de jeu est peut-être différent, mais l'idée d'aller, par exemple, le premier match de groupe à la Coupe d'Afrique 2019, il ressemble pas à la finale, donc, et pourtant c'est les deux mêmes équipes à un joueur près, donc. Ça, on est absolument dans cette réflexion-là tout le temps. Après, je vais vous dire quelque chose dont vous allez vous rappeler. Avant la Coupe d'Afrique 2019, sur les deux matchs de préparation, il y a des joueurs que vous n'avez pas du tout, comment dire, où il y avait un grand scepticisme. Adeline Guedjura,
n'avais quasiment pas joué de toute l'année, parce que j'ai eu une année pour travailler entre juillet 2018, entre septembre 2018 et juin 2019. Donc il n'avait pas joué toute l'année. Un poste clé, Ismaël Benacer, il n'avait pas joué quasiment toute l'année, poste clé. Sofiane Figouli, que l'on fait passer, il commence à jouer contre le Togo dans ce poste de milieu relayeur, forme de box-to-box. Donc il y a toute une formation qui se fait, finalement, pour le trio offensif, on l'avait. Pour la défense centrale, on avait démarré avec, rappelez-vous, contre le Togo, qui est un match important au Togo, avec Tarat et Belhamri. On se retrouve après à réinstaller Issa, qui jouait beaucoup arrière-droit en sélection. On le réinstalle avec un mois. Je me rappelle, on le réinstalle contre la Tunisie. C'était au mois de mars-avril. Donc c'est un match, et puis ensuite il enchaîne les deux matchs de préparation. C'est trois matchs. Donc il y a quatre joueurs à peu près qui n'étaient pas là durant toute une année, et pour des raisons diverses, et qu'on réinstalle finalement au dernier moment. Et puis avec le résultat que l'on connaît dans la CAN. Alors qu'il y a beaucoup de... Donc le football, déjà on part du principe que quand on vous donne ces éléments-là, ce n'est pas une science exacte, et que surtout on est dans la perpétuelle réflexion et analyse. Et quand je vous dis ça, juste pour terminer, ça ne veut pas dire qu'on ne planifie pas, je ne fais que ça planifier. Mais je ne fais que ça planifier avec toujours cette part au fond de moi qui me dit il y aura aussi cette part d'incertitude et il y aura aussi cette part de dernière minute, et il faut que tu sois capable, que tu aies cette flexibilité psychologique, intellectuelle, de dire que là il faudrait que tu changes les trucs. Et puis mon boulot c'est ça, et prendre ce, c'est pas ce risque, c'est un risque en tout cas que j'aurais largement, très largement calculé, qui donnera ses fruits ou pas. C'est la loi du football mondial, pas l'Algérie. Si c'était que l'Algérie, je le répète souvent, je ne vais pas nous mettre le doigt où ça fait mal, on aurait plus de titres dans notre vitrine. Si tous les entraîneurs ils faisaient toujours les meilleurs choix, les meilleures organisations, les meilleurs joueurs, les meilleurs trucs, pourquoi on n'a pas de titres? Il faut vous rendre à l'évidence, les gars. Ça, c'est une certitude. Personne ne peut me dire le contraire. Il faut vous rendre à l'évidence. Et ce n'est pas le lot de l'Algérie. C'est le lot du monde entier. Il y a des nations, elles ont 100 ans, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nations, une majorité de nations, elles ont 100 ans d'existence, par exemple, 100 ans qu'ils jouent au foot, un siècle, ils n'ont pas gagné une coupe. Il ne faut pas croire que... Il y a des nations, ils en ont gagné beaucoup, parce que c'est des nations fortes, que ce soit avec fort potentiel, le Brésil, la France, c'est des forts, forts réservoirs, l'Allemagne, en Afrique, on avait l'Égypte, voilà, c'est un fait, ça, il y a les mathématiques, c'est arithmétique, c'est... Voilà. Ismaël aussi. Ismaël, c'est qu'Ismaël n'avait même pas le vécu d'Adeline Guédura. Ismaël n'avait pas de sélection, quasiment pas de sélection. C'est un chantier, ouais, c'est un chantier. Moi, on n'est pas des maçons, mais c'est vrai. Je connais dans le jargon, je sais ce que ça veut dire. C'est vrai que bon, j'ai pas pour l'habitude de donner certaines choses, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées sur ce milieu de terrain là. J'avais toutes les conditions n'étaient pas réunies pour pouvoir mettre en place ces choses là. Parce que des blessures, parce que des joueurs qui n'étaient pas là. Par exemple, je vais sortir un nom qui sorte du truc. Par exemple, Nabil Bentaleb. J'ai vraiment bon espoir pour un joueur comme lui. Il a pris, il arrive à un âge où il a une vraie maturité dans son jeu. Je ne parle pas en tant qu'homme. Ça, c'est à la limite, c'est pas votre préoccupation. Moi je vois Nabil il y a 5 ans quand je suis arrivé, et aujourd'hui déjà, énormément mûri déjà personnellement, et ça se reflète dans son jeu,
dans son jeu. Donc, comme vous êtes en train de dire, et vous savez que ce poste est essentiel et est un poste clé, que ce soit un ou que ce soit deux, c'est possible. Les choses ne sont pas arrêtées là-dessus. Donc, je sais que, voilà, si un joueur comme ça donne sa pleine mesure, on peut mettre en place beaucoup de choses que j'ai en tête et on peut avoir de belles perspectives. Oussem Aouar, le jour où il aura vraiment tout digéré, tout ce qui est en train de se passer là. Dis trop tard, hein? نعم دي تروتار لا لا كلمه الان لا قلتها تكلمنا على هذا اختموا بها لا دولور كي تقول دولور كيما قلت تونو زامي دولور كي تقول دولور قول ما عملنا راه في المنافسه Alors après, c'est ton goût, c'est la vanille, le chocolat, la fraise, le واحد عنده الخيار تاعو. Donc c'est ça, c'est quand on cite un joueur, on le met tout de suite en concurrence. Je ne vais pas prendre trois attaquants de pointe. Déjà j'ai Amin Gouri qui peut faire partie de ça. Ça c'est sûr, je ne prendrai pas trois attaquants de pointe pour la prochaine compétition. Et c'est quoi? هناك بعض الأندية الأوروبية التي لا تسمح للاعبيها بالمشاركة في كأس إفريقيا وتهددهم بتضييع مكانتهم الأساسية في الفريق. كاين لي دات فيفا كي سون إتابلي ولازم الأندية حنا لازم نحترمهم والأندية لازم تحترمهم. دونك هذه هي. فوالا. ميرسي. إذن مشاهدينا كانت هذه هي